Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Coliseum un petit peu spéciale dans laquelle je vais vous présenter une stratégie que je trouve impressionnante et que certains pourront qualifier d'auto-win. Pour cela, nous avons besoin d'un Enutroph, un héliotrope et un Ekaflip. Le but va être tout simplement de tuer deux adversaires dès le deuxième tour de jeu. Je vais vous expliquer pas à pas comment la mettre en place et quelles sont les éventuelles manières de la contrer. Nous jouons contre un Xelor, un Uginak et un Eniripsa. Voyons s'ils arrivent à survivre, à ce qui va leur arriver. Alors pour l'instant, le Xelor met en place son jeu, pose sa synchro. Je pense qu'il prévoit de me mettre à un burst assez rapidement, avec une téléportation sur l'Ojinak ou sur son Doppel qui pourrait s'avancer. Alors le Nutroph qui le boost les Kafli, comme vous pouvez le voir, la chance pour qu'on ait le bonus de puissance dès le deuxième tour, le sac animé très important qui pourrait paraître un petit peu accessoire à première vue, mais vous allez vite comprendre que c'est complètement vital. Alors, le RAL, bon là, le RAL passe très bien forcément parce que l'ENUTROF est full RAL PM, hein, il a plus de 200 de retrait, donc euh, autant dire qu'on est sur du, quasiment sur du 100% de, de retrait. L'appel animé que je mets pour venir bloquer le GINAC afin qu'il ne puisse pas trop s'avancer. Ça m'embêterait qu'il débarque trop vite dans mes rangs et qu'il casse ma stratégie. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait cet OGINAC Il est OR, donc Ubitus a belle portée de sa part, on peut le noter. Alors. Maintenant, l'héliotrop. L'héliotrope va poser ses portails de manière à maximiser la distance, ce qui va en d'autres termes maximiser les dégâts que vont être, euh, qui vont être apportés au sort de l'Ekaflip. Alors, vous pouvez voir que j'en place un presque dans l'angle à l'extrémité. Ça, c'est d'une part pour, euh, comme, je dire, comme je viens de le dire, maximiser les dégâts d'autre part, pour, euh, pour me mettre à, en sécurité par rapport à une utilisation éventuelle des portails par l'ennemi. Alors là, j'ai une petite hésitation sur le placement. Euh, J'hésite entre soit m'avancer directement vers eux, soit me mettre un petit peu à couvert pour éviter de me prendre du râle ou de me faire déplacer. Je choisis de me mettre à couvert car dans tous les cas, je vais être tellement boosté en PM que je pourrais aller les atteindre sans trop de difficultés. Alors mon Leni Ripsa qui place son jeu, qui stimule le Xelor. Là, ce qui sera embêtant, c'est que le Xelor vienne directement chercher un de mes persos et les ramène dans son camp. Ça m'embêterait pas mal. Mon Leni Ripsa qui a l'air d'hésiter un petit peu. Qui finalement met des boucliers, je pense qu'il sent un petit peu le danger, il a compris que quelque chose allait mal se passer pour lui. Donc pour l'instant, c'est plutôt classique. Un tour assez normal de début de jeu. Mon Ekaflip qui se booste à fond, qui va mettre un Odorat pour préparer le tour suivant et avoir un maximum de PA, et également pour donner le plus de PM possible à l'Anutroph et à l'héliotrope qui vont pouvoir aller faire leurs actions respectives. Alors à ce moment, j'ai un choix. Entre soit booster l'énutroph, soit booster l'héliotrope en PM. Je booste plutôt l'énutroph quand je sens que je vais avoir du mal à placer une corruption, et sinon je mets tout sur l'héliotrope. Là, j'ai placé un chaton dans l'espoir qu'il aille tuer le doppel Xelor, sauf que, comme vous le voyez, eh bien, il n'a pas fait exactement ce à quoi je m'attendais. C'est pas bien grave. Alors là, le, le tour du Xelor est décisif. C'est lui qui va déterminer si je vais pouvoir placer mon, ma corruption ou pas. Alors il a senti le danger, il met une Kawatt, il va essayer de mettre son ennemi à couvert, il a bien raison. Puisque comme l'Eneripsa joue entre l'Heliotrope et flips, c'est lui qui doit être corrompu afin qu'aucun de ses personnages ne puisse interagir avec le placement de mes portails. Et là on voit qu'il fait une erreur puisqu'il laisse la ligne de vue en diagonale sur l'Eneripsa, il aurait suffi qu'il place son cadran d'oxylor une case à côté pour m'embêter beaucoup plus que ce qu'il a fait. Donc là je peux aller chercher la ligne de vue. J'accélère donc l'héliotrop, il faut savoir que je peux mettre l'accélération sur l'héniotrophe si j'en ai besoin pour aller mettre la corruption. Là, ce n'est pas nécessaire, donc je mets une petite maladresse sur l'Oginac le qui l'esquive miraculeusement alors qu'il a peu d'esquive, alors là je ne comprends pas trop des fois hein, comment ça se passe. La corruption sur l'héniripsa qui est placée, et la clé réductrice qui va permettre d'anticiper les prochains tours de jeu. Que fait l'Oginac Voilà ce stade de la partie il ne peut plus faire grand chose. Il tape un petit peu, rien de bien méchant. Et là, il va faire une énorme erreur de placement, puisque il devrait s'éloigner au maximum du Xelor afin que je ne puisse en tuer qu'un seul des deux. Mais je pense qu'il n'imaginait pas qu'il allait prendre autant de dégâts, et donc il vient se mettre à son corps à corps, ce qui m'arrange parfaitement. Il faut savoir que dans tous les cas, je peux mettre une brimade pour replacer un petit peu les ennemis, et, euh, et je m'en sors quasiment tout le temps en fait pour placer, le, pour placer les dégâts. La distribution qui est mise sur le l'Oginac, très importante, qui fait que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le Xelor qui va prendre le plus de dégâts, et non l'Oginac alors que c'est lui qui est en face du portail. Et là, on voit que je panique un petit peu sur le placement du portail, parce que la timeline en bas, elle bloque la vision sur mon portable, et je vois pas bien il est sur quelle case. Donc, euh, comme j'ai pas envie de foirer mon, ma technique, je le mets un petit peu en retrait, donc la, la distance n'est pas optimale, mais bon, je sais que ça va suffire, donc c'est pas bien grave. Alors enfin le moment fatidique, les cas flips Alors là on a une roulette de chance, hein, c'est pas vraiment nécessaire pour euh, les dégâts. Et je vous laisse regarder ce qui se passe. C'est complètement incroyable. J'ai encore 4 PA et tout le monde est déjà mort. Alors là je choisis après une brève hésitation de mettre une glyphe de single sur Lenny afin qu'il ait un malus de PA si jamais il se soigne dans le tour suivant. On se repasse cette action au ralenti afin de bien voir les dégâts. Des réflexes qui tapent déjà extrêmement fort, le tout ou rien qui, regardez, petit arrêt sur image, monte à plus de 3000 en critique sur le Xelor, il faut savoir que j'ai 64% de critique sur mes sorts, mais qui tape également très fort mon flip c'est pourquoi le sac animé est indispensable afin d'absorber les dégâts. Bon, une fois que ça s'est placé, le combat est presque terminé, il suffit juste d'éliminer un Eneripsa en 3v1, ça devrait aller. Alors Pour contrer cette technique, euh, la première chose à faire c'est d'éviter la corruption. Tout simplement, que ce soit en bloquant la ligne de vue euh, sur le personnage qui joue entre l'héliotrope et l'écaflip afin que l'héliotrope ne puisse pas le corrompre, ou alors en désenvoûtant mon héliotrope afin qu'il perde ses bonus de PM, en allant le tacler avec un personnage comme par exemple un sacrilleur qui pourrait le, le rush et aller le bloquer contre un mur, ou encore en ralentissant en PA mon héliotrope et mon écaflip afin de, leur, de les empêcher de mettre en place leur jeu. Un Feka peut également contrer cette stratégie avec son sort bastion. En revanche, le sort Trêve est inutile, tout simplement parce que les flip place de l'érosion avec réflexe, donc à la fin du tour, deux personnages ont un point maximum. J'ai essayé sur un putsch de voir jusqu'à combien je pouvais monter, et c'est plus de 12 000 points de dégâts qui tombent autour de l'Ecaflip. Autant dire que c'est très compliqué de résister à ça, même si les personnages en face ont des réductions de dégâts, énormément de résistance. Dans tous les cas si j'arrive à placer mon burst, ils y passent. A la base, cette stratégie, je l'avais faite avec un Yop à la place de l'Ekaflip. Le Yop qui tape beaucoup plus fort avec la colère de Yop et la précipitation. Euh, qui peut également tuer deux cibles grâce à Pouch combiné à la distribution de l'Héliotrope. Mais c'est moins efficace, je trouve, tout simplement parce que le Yop ne peut pas booster euh, en PM l'Héliotrope et l'Enutroph, alors que l'Ekaflip leur donne beaucoup de mobilité. A la base, c'était vraiment pour m'amuser que j'avais fait ça, mais je me rends compte en voyant l'efficacité de la chose que ça peut être même intéressant de faire une vraie Team collie, en mettant un stuff full résistance sur l'héliotrop afin qu'il soit moins vulnérable, et euh, également un stuff résistance et fuite sur l'enutroph avec un dofus abyssal, afin qu'il euh, soit un petit peu plus tanky, parce que là c'est une mulanidas, full retrait PM, c'est pas très très optimal. Enfin, j'ai eu une idée en réalisant cette vidéo, c'est de me dire comment je pourrais améliorer ça et faire quelque chose d'encore plus impressionnant. Et bien là, qu'est-ce qui m'empêche de tuer trois personnages en un tour C'est la corruption de l'énotrophe qui le rend invulnérable. Alors je pense que je vais bientôt essayer d'abandonner le combat avec les Nutroph juste au début du tour de l'Ekaflip. Et avec un bon placement, je devrais pouvoir tuer les trois personnes en face. Si ça fonctionne, vous le verrez très vite sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.